Per suggerire a Abieu e la Chiese si vogliono capire bene che un paese conta proprio su 600 abitanti all'anno, qui parecchi commerci esistono sempre e andare a scontrare giovani che non sono ribiali a Principia per un caffè di un paese e poi a Sautéa. Andem. Ci troviamo tutti tra di noi, o per l'aperitivo, o per il digestivo, o per un caffè, e si discute di un affare e di un altro, e poi si mette decisione, e poi di nuovo a sera, oppure uomini innanzi parte a lavorare, veniamo a bere un caffè, e poi il caffettiero qui ha bene pigliato un caffè, è simpatico, un giovanetto, dunque ci va a farli noi, ci va a farli lavorare. L'ancien propriétaire m'a proposé donc, de racheter le fonds de commerce. Ça a été une chance et voilà, d'être sur la terre principale, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a le plus de monde. Donc voilà, j'ai pris cette chance-là. La clientèle, on a nos habitués, comme vous avez vu. On a beaucoup d'habitués, on a beaucoup de gens âgés. On a beaucoup de jeunes aussi, donc les jeunes, voilà, ils travaillent, ça travaille beaucoup la semaine, donc c'est souvent le week-end et pendant les vacances. Più giovane e più dinamico si dice in corso, non so mica, ma di voi che lo c'è, l'ambiente c'è, e poi finora non anche crescere i prezzi, ma non ci non parla panime come al momento la farai fortunata. Un caffè di un luogo sociale? Un luogo sociale giustamente. E questo tutto il mondo la sa, tutto il mondo si riunisce qui, dove è andato. Vous avez repris le bar ici. Il y a aussi l'épicerie d'à côté qui a été reprise par un couple de jeunes il y a environ 4 ans. C'est important que les jeunes puissent remonter au village et reprendre les commerces ici. Bien sûr, bien sûr. Ben déjà c'est une chance d'avoir des commerces dans le village. C'est une chance que ce soit nous qui avons toujours été d'ici. On a cette chance-là de les reprendre et d'essayer de développer au maximum. D'essayer de développer au maximum parce que si demain il n'y a plus de commerce, les gens perdent l'habitude de sortir un peu de chez eux, tout ça. Et je pense que c'est très très important pour un village. D'un café, passez-moi à Sautéa. Anne-Marie et Jérôme hanno rinviato un commercio 4 anni fa per un giorno doppio e un scambiamento provvisionale. Dopo un piccolo tempo di attesione, hanno trovato clientela paesana. Propongono qui parecchi prodotti. On propose des produits de première nécessité qu'on peut trouver dans les épiceries, des produits locaux, tout ce qui est charcuterie, fromage, brooch, tout ça. Heureusement qu'il y a les locaux, parce que bon, c'est vrai que sinon toute l'année c'est un peu compliqué. On a la saison touristique, mais franchement, c'est vraiment les locaux qui nous aident beaucoup, quoi. Ils jouent le jeu, ils sont là toute l'année. Nous, on est ouvert 7 jours sur 7, donc voilà, c'est un échange entre les commerces, nous et les clients. Merci, allez, ciao. Il faut se diversifier, et puis ça dépanne un peu tout le monde, je dirais. Et on fait aussi les livraisons à domicile pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Ça permet aussi de garder un lien social dans le village. Après, c'est sûr que bon, demain, s'il n'y a plus de commerce dans les villages, tout ça, les villages ils s'en meurent. On essaie de tout faire pour que ça perdure, quoi.